L'attente a été longue, mais nous y sommes. C'est aujourd'hui la finale dans cette compétition. Salut à toutes et tous. C'est Hervé Matou au micro, bien sûr. Très heureux de vous commenter l'affiche ultime du tournoi. Le Paris Saint-Germain face au Celtic Glasgow. C'est toujours un moment à part de disputer une finale, bien sûr. On sent beaucoup de ferveur, une ambiance de fête, beaucoup d'espoir, bien sûr, pour cette finale, même si... On a une chance sur deux qu'elle se termine avec des larmes. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma. Sergio Ramos sera là en défense avec Marquinhos. Idrissa Gueye sera avec Marco Verratti au milieu de terrain. Et devant, Léo Messi animera l'attaque avec Kylian Mbappé. Position de l'autre équipe maintenant. C'est un 4-3-3 assez classique qui a été retenu. C'est parti, la grande finale, hein, la finale de cette Ligue des Champions qui débute sous nos yeux. Achraf Hakimi. Wijnaldum. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Verratti. Wijnaldum. C'est un corner pour le PSG. Le corner en direction du point de pénalty. Et le but, l'ouverture du score. Ça fait 1-0 dans cette finale. Après le corner qui a mené le but, la reprise de la tête, qui ne laisse aucune chance. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Rogic. Callum McGregor. Attention, la petite passe lobée. Oh, il est passé. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Essaye de trouver la faille. Non, non, ils n'iront pas plus loin. Très bonne intervention défensive. Idrissa Gueye. La passe aérienne, pas mal. Et le ballon qui est au fond. Et ça fait 2 buts d'avance. Ça fait 2 buts d'avance, regardez, c'est du délire chez les supporters.
Oh, elle se présente très très bien à cette finale. On va revoir cette action, ce ballon lobé qui a mis toute la défense hors de portée. Et la reprise de volée qui suit, qui est superbe. Rien à faire. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Ce sera une sortie de but. Achraf Hakimi. Et Messi. En profondeur, oui, bien vu. Un truc à faire là, et Kylian Mbappé va certainement le faire. Ouais, le ballon qui allait passer la ligne. Marquinhos. Achraf Hakimi. C'est Messi hein, qui fait l'effort de récupérer le ballon finalement. Ouais, défenseur qui enraye cette action. On entre dans la zone dangereuse. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Et plus qu'un but de retard, plus qu'un but de retard. L'espoir qui revient. On voit cette excellente inspiration, ce centre en retrait, toute la défense prise à revers. Ensuite, le tir tendu, le gardien qui a un temps de retard. Et ça fait but. Et 2-1 donc maintenant. Neymar. Ah, si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. Ils attendent une ouverture dans la défense. La faute. Attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Pas de soucis sur cette frappe. C'est pas assez travaillé, pas assez appuyé. Une passe lobée dans le dos de la défense. Rogic. Attention au danger. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Oh, en deux temps. Magnifique intervention, c'était chaud. Hein. Première intervention. Et finalement, ce ballon qui est capté. Ouais, il a levé son ballon. Mbappé qui va pouvoir créer le danger. La fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2-1.
Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Taylor. Callum McGregor. Il la joue un petit peu comme au hand, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ah, il perd cette balle. Oh, il était temps d'intervenir là. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah oui, la bonne passe. Allez, Messi peut nous inventer quelque chose. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud, hein. En train de remonter le terrain. Il se dispute ce ballon. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Attention, ce corner de Neymar. Un corner qui ne donnera rien. Messi. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Martinez. Achraf Hakimi. Gana maintenant. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, il est passé, l'action continue. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. Kylian Mbappé. Mbappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon et qui perd la possession. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Ouais, il repousse, ça joue. Il s'en sort hein, sur ce coup-ci. Il y avait un petit peu le feu quand même. Ballon récupéré dans la moitié de terrain adverse. Ça va être un renvoi aux 5m50. L'entraîneur qui cherche avec ce changement tactique à revenir dans cette partie. Verratti. Mbappé. Une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Ah oui, la main signalée par l'arbitre, ça va donner un bon coup franc. Et l'écart qui se creuse dans cette finale. 2 buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. On voit les coups francs sous un autre angle. Cette précision diabolique, ça passe au-dessus du mur. C'est pas un ballon avec beaucoup d'effet, mais il est imparable. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage.
Rogic. Il faut qu'il centre là. Le centre en retrait. Et c'est dévié. Dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Il alerte son partenaire dans le dos. Oh, il est passé. Il est passé. Il y a danger. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Plus qu'un but d'écart. Oh, cette fin de match va être folle. On va revoir cette action, ce ballon lobé qui a mis toute la défense hors de portée. Bon, ensuite, c'est le talent qui fait le reste. C'est quand même son excellent placement. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Et 4 minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Allez, il faut s'appliquer. Peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Ouais, le ballon qui est donné en profondeur. On va regarder ce que dit l'arbitre. La faute, bien sûr, et le carton jaune. Un coup franc qui est joué court. Ouais, bonne prise de balle du gardien. C'est terminé sur cette victoire. La coupe est à eux. Toujours ces images, hein, pleines d'émotion. Cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois. Et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe, c'est celle des joueurs, mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Hein. Là, les remplaçants, le staff, tout le monde est là. Ils l'ont tous mérité.